Et re tout le monde. Et merci beaucoup à Cheshwara pour le Prime. Ça veut pas dire que je n'ai toujours pas envie de savoir pourquoi tu t'es fait ban. Est-ce que tu as un cancer dans l'AOC? Merci beaucoup pour ton Prime en tout cas. Merci mec. Perdu complet là. Ah bah je prends avec plaisir. Attends. Ok, attends, je me concentre. Bonjour les creuses. Comment cela, tu n'es pas Demon Soul? Pas bien. Je fais ce que je veux. Sinon, ça marche aussi. Et je t'encourage à aller voir le planning et tu auras la réponse à tes questions. Alors. Mais ne viens pas, ne viens pas, bonjour à toi, mais ne viens pas me dire ce que je dois ou non streamer. Ça, c'est important. C'est la meilleure manière de se faire ban, ça. Ça serait dommage, hein. Ou pas, je ne sais pas. Alors. Tu peux stream du Ghost of Tsushima. Qui veulent faire leur manière, ça va pas que c'est bien. Ça. Encore une fois, je sais pas qui je suis, je remets pas ça en question. Le problème, c'est ce qui va entraîner. C'est-à-dire que si les meilleurs sont censés penser être moins bons parce qu'ils vont justement se mettre en question dû à leur intellect et que les moins bons pensent être les meilleurs, on peut pas juste avoir un truc où des gens pas trop nuls pensent qu'ils sont pas trop nuls et peut-être des gens nuls qui peuvent penser qu'ils sont nuls aussi, mais ça c'est autre chose. En fait, j'aime bien la nuance, tu vois, là-dedans. C'est-à-dire que si je suis pas mauvais dans quelque chose, j'ai peut-être le droit de penser aussi que je suis pas mauvais là-dedans et d'avoir raison d'être sûr de moi. Pas dans, en général, mais au moins sur ce sujet-là, tu vois. Je suis pas le bouton, terrible. Putain, cette roulade de l'enfer! Ah, oh, j'en peux plus de cette roulade. Elle m'éloigne de ma cible! Je déteste cette roulade. Hein. La roulade, elle est horriblement mal gérée. Voilà, là ça fait le dash. Je choisis la deuxième option du coup. De quoi, le ban? Tu vas être ban si t'as les gros, tu peux t'aussi, hein, si c'est le cas, mais... Oh, la roulade, elle est... Ok, au revoir. Elle est dingue en ce moment, dis donc. La journée du connard. Hein. Ah, j'ai toujours pas de flèche. Mais non! Comme dirait Zarkiel, NDR, casse-toi. Hachiro, Sadao no ototo da na. Les enfants sont sortis mercredi, c'est ça, ouais? Oh, mais un dingue, quoi. Fin... Le mec arrive, m'ordonne limite un truc, et ensuite il se plaint, on va te faire foutre. Hein. C'est ouf, ça. Putain de demeurer. Hina wa mudajini deshita. Hannin wa waga ichizoku wo minagoroshi ni shita mono da. Akiramete naru mono ka. C'est tout l'intérêt, Moda. Tu ne les connais pas. Tu les découvriras comme tout le monde. En fait, avant les votes, je fais une présentation des jeux. Avec les trailers et tout. De 20h à 20h20.
Par contre, le thème, il est dans le planning, au cas où.補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。定尾がいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは。ヒナを埋めてやる。せめてもの情けだ。後ほど野営で会おうぞ。 Charme de destruction double. Oh, attendez. Ça a l'air pas mal ça. Parce que les dégâts de santé, bah les couilles. De toute façon, je me fais tout shot. Les attaques ont 5% de chance d'infliger 2 fois plus de dégâts. J'aime bien les trucs en deux, un peu comme ça. Ah, bah c'est la meilleure raison de sub, l'emote de Bibou, hein, évidemment. Le plus mignon de tous. Attends, hop. Et merci beaucoup pour le follow, Zenaku. Bienvenue à toi. Criquet chantant. Welcome Zenaku. Et merci beaucoup. Mais pourquoi tu t'excuses de tester les emotes? J'ai l'impression de vraiment passer pour un tyran parfois. J'aime juste pas les demeurer, j'y peux rien. Je les supporte pas. Mais vous testez ce que vous voulez. Le chat est là pour ça, les emotes sont là pour ça. Vous excusez pas de ça, bordel. Terrible. Ça c'est quoi là-bas? Domaine Adachi. Le trade 4 sur 9. Ça c'est quoi ça? Sanctuaire du sommet d'or, récompense à terminer. Je l'ai pas terminé. Bon, on prie, attendez. Est-ce que je peux m'y TP? C'est quoi cette histoire? Attendez. この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて、民が詣でに来る時に鳥居がなくては困るでしょう。今こそ加護がいる時だ。そうですが、社の道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りして、御符をお持ち帰りください。 C'est vrai la pousse? J'ai jamais été méchant, je suis juste pas très patient. Mais je peux pas être méchant avec quelqu'un, déjà encore une fois, toujours vis-à-vis d'une panoplie d'émotions limitées. C'est vrai que la méchanceté pour moi entraîne une certaine forme de gratuité. Et même avec des gens que je déteste, ça me serait très compliqué d'être méchant. Même le mot détester est compliqué, enfin bref. Là où je veux en venir, c'est que ça va être un mélange, effectivement, parce que bah, j'ai confiance en moi. Tu vas avoir aussi à prendre en compte le fait que je suis pas forcément, par contre, le mec le plus patient de la Terre. Ça, je vous concède, hein, complètement. Et tu sais que tu mélanges tout ça, je comprends que ce soit pas forcément facile. Et en plus de ça, moi, je suis encore moins patient, tu vois, au gentil sur Twitch. Là où d'autres streamers vont l'être beaucoup plus. Parce que moi, je j'ai pas envie de garder du connard ou des gens que je trouve débiles et qui me cassent les couilles juste pour avoir du monde, en fait. Mais le problème, c'est que 99% des streamers vont devoir être plus gentils et plus patients avec les connards. Sauf ceux qui ne dépendent pas de leur stream. Parce que justement, ils ont peur, tu vois, de. Après, de faire comme moi, d'avoir une réputation de merde. J'ai une réputation terrible sur Twitch. C'est ce que j'ai rencontré chez les plus gros ou plus petits streamers. Et même les gros que j'ai rencontrés, je peux t'assurer qu'ils peuvent, ils peuvent déjà plus me blairer. Et je comprends par contre parfaitement, Yervin. Je me dis aussi qu'en tant que viewer, c'est un jeu que je pourrais, un peu comme les Souls, tu vas prendre beaucoup de plaisir à regarder. Aussi bien pour le gameplay que la narration. Je vois tout à fait l'idée, ouais. Et c'est là-bas. Okay.
tard, il y a un checkpoint. C'était pas là? Sur l'arbre, non? Non, c'est pas l'arbre. Ce n'est pas l'arbre. Pas là non plus. Je vois pas de prise. Les prises sont vachement apparentes dans le jeu. Un peu à la Uncharted. Ouais, c'est pas ça sous la foi. Bonjour Anaï, comment vas-tu? Ça fait super longtemps que je t'ai pas vu. Quoi de neuf? Très très longtemps aussi. Celui-ci n'est pas un reproche, hein, juste un constat encore une fois. Ah! Oui. C'était pas très dur en vrai. Donc ils ont mis aussi un peu de parcours dans le jeu. Ah, all. Why not? Écoutez, sympa. Il y a full loot en vrai sur la. Sur l'escalade là. Et là, tu vois, on voit les prises. Tu vois tout de suite les rebords blancs et tout. La petite musique et tout détente. Trop cool. Ah. Le saut s'est pas passé. Trop d'assassins que j'ai toujours pas fini, pour ça que je m'en ai plus. Mais tu sais que ça fait pratiquement un mois que je stream plus d'Assassin's Creed. Pas de soucis, hein, mais. Au cas où. J'ai quasiment pas joué à Valhalla au cas où. Pour l'exclamation, vas-y. J'ai fait 3 lives sur Valhalla. Mais pas de soucis, j'ai fait beaucoup de Demon's Souls, du Godfall. En fait, depuis le... Godfall était sorti quand? Le 12? Et là, ça marche. Depuis le 12, j'ai enchaîné entre Godfall, les OS Games et tout, et Demon's Souls ensuite. Et là, on passe donc sur Ghost of Tsushima qui a gagné le Sundance. Mais pas de soucis, t'inquiète. Et Assassin's Creed Valhalla, on le reprendra pas tout de suite. J'attends vraiment... J'attends un petit peu. Trop de choses qui vont pas actuellement dessus. De rapports de viewers de certains les bugs de quête et tout. N'hésite pas à aller voir le planning. Tu as un planning complètement dédié et respecté. Je stream maintenant d'ailleurs, sachant que ça fait un mois que t'es pas passé. Ça fait un mois que je me suis lancé dans le plus grand défi de ma vie. Et j'exagère à peine. Streamer à heure et jour fixe. Je stream tous les jours maintenant de 10h à 21h et 6 jours par semaine. J'ai gagné un bois de scie, ça serait sûrement un composant rare. Et le planning est parfaitement respecté. Les jeux peuvent fluctuer un petit peu. Mais ils sont toujours tenus à jour, quelques jours en avance, et par contre les horaires, eux, sont nickel respectés. Ok. Attends, j'ai un nouveau charme, c'est ça? J'ai un truc vénère, là. Charme d'Amaterasu. Éliminer les ennemis restaure une quantité modérée de santé. Ah! Ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est sympa, ça, par contre. Ah oui, il y a des belles choses dans les charmes. Ah oui, il y a des très 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 belles choses dans les charmes. Où est-ce qu'on peut aller? Pour Tsushima, les habitants de la Zamo ont l'intention de se battre contre les Mongols, mais ne sont pas les samouraïs. Ils risqueraient d'ici la vie. Je devrais quelque chose. Charme de futilité mineure, hausse mineure de la légende. Vous serez... Ah oui, vas-y. Quel jeu? Bah, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que c'est bien d'avoir deux écrans. Bien d'avoir deux écrans. Y a pas un saut de la foi pour descendre rapidement du sanctuaire, je suppose. Faut que je me retape tout le chemin. Non, je suis pute. Comme c'est réaliste le jeu. Ah si c'est bon, ils ont mis un chargement. Si c'est bon, ok, ils ont pété con. Non mais je sais qu'il y a pas de saut de la foi, mais genre ils auraient pu faire un petit clin d'œil, tu vois. Le jeu est quand même pas mal inspiré à Assassin's Creed, on va pas se mentir, donc bon.
Pour le coup, oui, un peu Nimen. Pour le coup, un peu ouais. Un peu ouais. C'est pas si déconnant. Ah, c'est bon, ils ont pas été cons, ils ont mis un chargement. Enfin, une sorte de TP, quoi, un peu. Ils ont bien fait. Et donc, ouais, Ghost of Tsushima sera le jeu donc de Summons de décembre. Il y aura environ 5 ou 6 lives dessus. Un autre truc que je pense que je devrais prendre en technique relativement rapidement, c'est les sauts roulades. Où je peux sauter ou plus. Bon, ça m'emmerde. Ouais, là, ça va lui faire mal. Pourquoi? Mais c'était pas voulu, en fait. Tout ce que vous voyez à l'écran n'est pas, sachez que n'est pas forcément voulu. Hein. Tout n'est pas. Ah oui, pas de soucis, hein. Je comprends, j'entends bien. C'est pas une flèche qui est passée pas loin de moi là. Tout n'est pas forcément contrôlé. Hein. C'est. On n'est pas sur un dérapage très très contrôlé là. C'est quoi là-bas? Il y a les connards là-bas. Surtout en sortant de Demon's Souls, comment trouves-tu ce jeu? Bah, alors ça c'est intéressant comme question. Il y a les connards devant. J'avais peur après Demon's Souls, tu vois, de trouver un peu tous les jeux moches. Et en fait, il est magnifique le jeu. Donc, excellent. Plus dur que Demon's Souls en létal, mais vraiment excellent. Je suis ravi de le parcourir, tu vois. Vraiment, hein, c'est la ça me fait du bien aussi un peu de narration, c'est cool les jeux très narratifs. En mode létal, oui, en cooks. Et merci beaucoup Anaï pour le 4e mois d'abonnement avec le Prime. Merci beaucoup à toi. En létal, oui, c'est beaucoup plus bien que Demon's Souls. Demon's Souls en me concentrant bien, en sur une nouvelle run, je pense que je peux la faire en moins de 10 morts. En étant focus, tu vois. Je dois pouvoir le faire en moins de 10 morts. Et il a beaucoup de Demon's Souls vu le monde ouvert et c'est pertinent de compter le nombre de glissades. C'est jamais pertinent de compter le nombre de glissades, mais ça peut toujours être rigolo. Ça prend pas une place folle à l'écran, c'est pas dramatique. Donc. Ça vous donnera par contre une idée de ce que ça donne en mode létal, tu vois. Pour un joueur comme moi, ça vous donne un peu d'idée, quoi. Je te crois si tu skips le dieu dragon. Non, maintenant c'est bon, je sais pas qui je suis. Hein. Depuis que je le fais avec l'invisibilité, la bague du voleur, il me repère plus du tout sur le. Même en bas sur le feu. Je l'ai fait en first try sur ma 4ème run, pour te donner une idée. First try? Ouais, first try avec les mains divines, first try. Bague du voleur plus invisibilité, hein. Comme ça il me voit pas en fait. Je passe en fait. Enfin, il faut que je pète. Je prends mon temps, tu vois, mais c'est plus un problème. Ce n'est plus un problème. J'ai les chansons en tête parfois. Je sais même pas ce que c'est, les chansons. Oula. Alors, R3 pour ralentir le temps. Oh. Oh, attendez. Tiens, je viens de citer aussi que j'ai pas le bon. Y'a moyen de voir les dégâts qu'il fait le bordel ou pas? Attendez. Ouais, Tanto Sakai, voilà. Mais ça me laisse un katana Sakai. Je comprends pas, c'est que les Sakai quoi qu'il arrive, c'est bizarre. Bon. Ouais, les confrontations, on est chaud. Ah yes, c'est le gros lard. Il a essayé de me brain. Allez, reste tranquille. Thank you.
Micro-entreprise, tout à fait. Tout à fait. J'étais en SASU avant et je suis passé en auto-entrepreneuriat. J'ai pas eu le choix. Pour être tout à fait honnête, hein, pendant un bon moment, en fait, en entre-deux, je ne déclarais pas. Parce qu'à partir du moment, il faut bien avoir conscience qu'à partir du moment où tu gagnes à peine un SMIC ou le SMIC, je vois pas l'intérêt de déclarer, surtout sachant que moi, la majorité repartait, tu vois, en investissement dans la chaîne. En fait, déclarer me faisait perdre l'investissement dans la chaîne. Ça ne me faisait pas perdre de l'argent à moi, ça me faisait perdre de l'argent à ma chaîne. Ça, je refuse. Et là, le truc, c'est qu'avec les revenus annexes maintenant de Epic et de YouTube ou autre, il me fallait une boîte. Donc, micro-entreprise, auto-entreprise, appelle ça comme tu veux, mais voilà. Mais je me paye toujours très peu par contre, résultat. Mais la bonne nouvelle, par contre, c'est que c'est plus simple pour les prestats et les trucs hors taxes. Par exemple, le PC l'année prochaine que je vais me prendre, je pourrais tout prendre sans la TVA, quoi. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Ça me fait économiser un peu des sous. Non, galère côté paperasse. Non, c'est une galère. Déteste la paperasse. J'avais quelqu'un pour gérer ça l'année dernière. Il y a deux ans, putain, ça passe vite. Attends, laissez. Oh, c'est vrai que 2020, ça fait plus d'un an et demi déjà. Oh là. Bon Dieu, excusez-moi, ça passe très très vite. Je viens de réaliser effectivement que ça fait qu'on est fin 2020. Et que vous et tout, c'était très longtemps. Mon Dieu. Streamer toute ma vie. C'est pas le... Non, le statut est facile à avoir, Moda. C'est pas le statut qui est compliqué à avoir, c'est la gestion après. Je vois pas. T'as pas... Le truc en Cook, c'est qu'il y a pas. Vous avez. Alors. Encore une fois, hein, on va être dans la journée de l'arrogance, ça va être trop bien, j'adore. Je vais pas être votre streamer moyen en termes de moyens, justement. Moi, demain, les revenus de la chaîne baissent. Bon, je préfère toujours gagner plus d'argent, hein, j'aime bien l'argent, normal. Mais je survivrai, tu vois. Attends. Je suis propriétaire. J'ai une petite rente, ma rente va augmenter très certainement l'année prochaine ou un peu après. Ok. Je sais pas la singerie. Je sais pas. Je sais pas du tout. On verra bien. C'était à 2 ans que j'avais fait ça. C'était pas l'année dernière, c'était à 2 ans. Je suis plus aussi à l'aise avec ça. J'ai besoin d'upgrade le PC pour l'année prochaine. J'ai besoin d'upgrade le PC pour l'année prochaine, ça c'est sûr. Ça, y a pas de doute là-dessus par contre. Alors, je sens vraiment les limites de mon proco arriver. Tant que je suis sur console, par contre, ouais, c'est cool. C'est ça l'avantage. De manière assez étrange, c'est ça l'avantage d'être sur. D'être sur console. C'est que même si la question du gâteau fait un peu chier, j'ai plus à me poser la question, tu vois. Ça, je suis rentré. De plus en plus, je suis ravi d'avoir pris la PS5. Hein. Ça a été un effort financier, mais ultra rentable. Vraiment, 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 vraiment rentable. Putain, mais cette roulade! C'est quand je reste appuyé en fait, faut que j'appuie vraiment. Alors, tu parles vis-à-vis de mes nouveaux horaires? À être à 10-11 heures par jour, c'est ça? Je suppose. Et j'aimerais bien rentrer dans mes frais pour le saut. Ah, tu rentres dans tes frais, c'était un jeu de mots. Alors, je réponds après, attends, d'abord dans l'ordre. Mais alors, je connais pas du tout par contre le principe. Attends, il y a un pigeon, 2 secondes. Les piafs dorés, mais il a dit qu'il fallait les suivre. Attendez. 2 secondes. Isulant, il se passe un truc si on suit le piaf doré. Bonjour. Allez, je me concentre. Moshi, anata mo Azamoze no gokasei ni? Kiita koto ga nai na. Yakushou to ryoushi ga Mouko to tatakau tame ni kettaku shita no desu. Watashi wa keiko o makasare mashita. Sore wa isamashii na. Keiko no shubi wa ikani? Sore ga toki o sugite mo dare mo arawarezu, sagashi ni mairou ka to. Doko o itasou? C'est le seul problème avec les jeux narratifs, hein, c'est pas facile pour encore plus interagir avec le chat.
Moi j'adore, hein, c'est trop bien comme jeu, mais... Contrairement à Demon's Souls, vous voyez, où je peux raconter ma vie pendant que je joue au jeu, je détruirai quand même le jeu. Là, ça me demande plus d'attention. Si on va faire ça bien. Donc, je vous réponds après. Hein. ファタオン並べるとは恐れ多いこと。たちも馬も扱えるではないか。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、父も母も殺されてしまいました。身を守るすべはそれから苦労して磨いたこの剣の腕で役に立つといいのですが。我流の武士ということか。あれは火事か。あの家から。 Caméra. Caméra, 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 s'il vous plaît, la caméra.